семья, что ли, блядь? Приговорили, нахуй. И выиграли процесс, что ли, блядь? Да, блядь, тут хуй проедешь, нахуй, блядь. Меня судили, блядь. Да сами себя судили, блядь. Меня судили, нахуй. Потому что меня, блядь, смертно, желудочно, вышли, блядь, приговорили. Вот я себя, блядь, к вышке приговорил, тоже другая космическая вышка, блядь. Вышка Чикатило, нахуй. Mikhaïl Volokhov, qui est le réalisateur du film et qui est un des artistes de la scène, poète de la scène russe contemporaine, et aussi René Guéra, mais qui a disparu, qui vient, que je vous propose de rencontrer et avec lesquels je vous propose éventuellement de discuter du film. René Guéra est un grand amateur d'art russe et de culture russe, il est professeur à l'université de Nice de langue russe. Dites-moi la section des langues et civilisations orientales et slaves. LCOL. Un ami de M. Mikhaïl Volokhov. Donc je vous propose de vous installer comme dans la grande tradition des rencontres-débats, derrière une table, peut-être en s'approchant un peu du public pour être peut-être plus conviviaux. Mikhaïl, si vous voulez bien venir avec nous, on va installer le micro. Peut-être quelques mots pour présenter Mikhaïl Volokhov, qui n'est pas un dramaturge débutant, mais connu en France, car son spectacle, sa pièce Cache-cache avec la mort, a été présenté au Théâtre Gennevilliers par Sobel il y a déjà plusieurs années. Quelle année ? Déjà. En 1993, donc il y avait 13 ans, il y a eu beaucoup d'articles parus dans la presse, aussi bien dans le Figaro, dans le Monde, dans le journal Libération, ainsi que dans la presse spécialisée du domaine du théâtre. Donc cette pièce avait été saluée comme un événement en son temps et avait apporté une notoriété certaine à Mikhaïl Volokhov. Il ne s'est pas arrêté là, il a commis d'autres pièces de théâtre. 3 ou 4. Aujourd'hui, ici à Nice, a été présenté le film Le Calvaire de Chikatilo, pièce écrite il y a 4-5 ans. Depuis 10 ans, et après, j'ai fait plusieurs versions. Donc, cette pièce écrite à la fin du siècle dernier a été remaniée à plusieurs reprises. Et là, dans ce film, où l'auteur est l'acteur unique, on a une version définitive peut-être la dernière version, disons. Voilà. Alors, que dire encore de Mikhaïl Volokhov? Je crois que c'est le plus préférable, c'est de lui donner la parole, puisqu'il est venu spécialement de Moscou pour cet événement à Nice, et personne ne pourra mieux parler de Volokhov, non seulement de son œuvre, mais également de la situation des théâtres aujourd'hui en Russie, en 2006, puisqu'il connaît bien ce milieu, car après avoir séjourné et vécu en France, depuis plusieurs années, il vit à Moscou, où il participe à la vie théâtrale, à la vie littéraire moscovite, qui est très agitée, qui est très, très vivante, dans cet espace post-soviétique, qu'il connaît bien. Je dirais encore un mot, il a été en son temps remarqué par Eugène Ionesco, qu'il avait reçu à plusieurs reprises, qui a écrit
quelques lignes sur la pièce Cache-cache avec la mort. Et également un certain nombre de critiques russes célèbres ont écrit sur le théâtre de Volokhov, en particulier le professeur Kirill Razvogov, président de l'Institut de culturologie de Moscou, qui est parrainé, enfin qui est, comment dirais-je, qui travaille avec l'Institut de Paris et qui fait autorité, auteur de plusieurs livres sur le théâtre, le cinéma en Russie. Également d'autres, je pense à Navajonov, qui est un célèbre homme de télévision, critique, qui a également écrit des articles très intéressants, élogieux, sur l'œuvre de Mikhail Volokhov, en particulier dans la Rassiyskaya Gazette, en journal officiel, oui, de la Fédération de Russie. On pourrait multiplier, n'est-ce pas, les citations, compte tenu que de nombreux auteurs, de nombreux également critiques et même auteurs ont écrit sur l'œuvre de Volokhov, qui peut être un peu déroutante pour un public non averti, car il se situe dans un contexte de la fin du régime soviétique et dans cet espace post-communiste de Moscou, dans ces eaux un peu troubles, où Mikhail Volokhov nous rend un petit peu l'état d'esprit et de ces personnes qui habitent dans l'ex-Union soviétique et qui sont passées de l'Union soviétique à la, comment dirais-je, à cette nouvelle situation que certaines personnes n'arrivent pas à maîtriser, si j'ose dire. Voilà. Donc, on voit un petit peu tous les problèmes qui sont évoqués, pêle-mêle, les vieux démons de la période soviétique. Il y avait dans ce film également, comme vous avez pu remarquer, des allusions à la fois des poètes célèbres, Andrei Vaznesensky, qui longtemps été au service du régime en place, régime soviétique, tourné en dérision par l'auteur, et d'autre part également, peut-être évoquer la figure de Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature. Bon, tout ça, c'est la charité de l'auteur qui est libre de donner son appréciation et de donner son approche d'une façon un petit peu parfois délirante. C'est peut-être tout l'intérêt de cette pièce. Le calvaire de Tchekatir, je le rappelle, Tchekatir, personnage qui avait été condamné, n'est-ce pas, compte tenu de ses exactions. Et ce personnage avait défrayé la chronique. Et Mikhail Volokhov a fait une pièce, il y a eu un certain nombre de livres écrits sur cet épiphénomène, sur ce, comment dirais-je, ce personnage déroutant de la fin du XXe siècle. Voilà. Je crois peut-être que s'il y a des questions, peut-être M. Volokhov, moi je vais traduire, je lui repasse la parole, va peut-être parler un petit peu de son œuvre, et ensuite du théâtre russe d'aujourd'hui. Да, ну, в общем-то, когда пьеса написана, то ты хочешь, чтобы ее сыграли. Quand une pièce est écrite, on a envie de la voir jouer, naturellement. Да, и, конечно, ты хочешь, чтобы пьеса осталась, ну, как можно в большем пространстве, временном, ну, по максимуму вечности. Naturellement, tout auteur tend vers l'éternité, en quelque sorte, pour que cette pièce ait le maximum de diffusion et reste dans les esprits. Вот, ну, кино... В общем-то, позволяет, форма кино, это единственная форма, которая оставляет, скажем, пьеса, конечно, театральное произведение, но чтобы оставить ее в вечности, надо ее снять формой кино. И это уже тогда будет как бы театр вечности в форме кино. Alors, pour moi, naturellement, une pièce doit être jouée, certes, c'est de l'ordre du théâtre, mais grâce au cinéma, par le truchement de la caméra, on peut atteindre ce vers quoi je tends, à savoir un peu d'éternité. Donc, pour moi, le cinéma, la caméra, permet d'obtenir l'effet recherché.
И плюс кино, это, конечно, является еще самостоятельным искусством. И здесь как бы есть слагаемое то, что текст очень сильный, слагаемое, что это текст театральный, и третье слагаемое, что это все превращено в кино, как уже в окончательный продукт. Но кино в данной ситуации – это слагаемое трех ипостасей – литературы, театра и уже как явление кино. В общем-то, такой, может быть, тройная сила в этом. И плюс, да, я пытался сделать такое документальное кино. Это абсолютно, может быть, правда жизни. Это не артифисиэль, это ля ви. Alors, naturellement, le cinéma, septième art, c'est un art en soi. Pour moi, il me permettait de rendre les trois éléments qui me tenaient à cœur, à savoir la vie, de bien rendre, d'enlever le côté artificiel qu'il peut y avoir au théâtre. Et ici, on arrive à une vérité, à la vérité de la vie, et on enlève tout artifice, et tout le côté artificiel et conventionnel du théâtre. Ну, то есть, да, литература, театр и кино. Donc, вот, la littérature, le théâtre et le cinéma pour faire une synthèse, en quelque sorte. Да, ну и самое сильное кино, это, конечно, документальное кино. Et naturellement, ce qui est plus fort dans le cinéma, de mon point de vue, c'est le documentaire, un cinéma documentaire. То есть, я знаю, о чем я написал. И это знание текста, глубинное знание текста, то есть в кино нельзя играть, надо жить. Вот это я как бы живу глубинным знанием текста. Dans le cinéma, on ne peut pas jouer, on vit. Et comme moi, le texte, je le connais de l'intérieur, ça me permet de vivre ce texte au cinéma et devant la caméra. Плюс, конечно, слагаемое то, что это я шел там, не знаю, до леса 7 километров пешком. Et justement, ce qui est important, j'ai fait 7 km à pied dans la forêt, sous la neige. Dans la neige. В одиночестве я приходил в лес в 5 часов вечера, чтобы застать закат. То есть здесь идет дело к сумеркам. То есть вот это мне. Et j'arrivais dans la forêt vers 5 heures au moment du coucher, au couchant, pour pouvoir mieux m'imprégner de cette ambiance. И вот как ни странно, когда в этой пьесе речь идет о том, что как его расстреливают, вдруг летит какой-то самолет, какие-то лают собаки, это все как-то наложилось, и какая-то мистерия, в общем-то. И все легло как надо лечь. Et donc, au moment du tournage, il y a eu des moments un petit peu mystiques, un avion, au moment où le héros doit être fusillé, donc il y a une sorte de signe prémonitoire. И никто не знает, как я снял. Но я кончил МВТУ МИВАМНа, то есть я инженер такого, ну, большого, такого, даже космического, где многие люди уходили в космонавты. То есть я разбираюсь немного, ну, в инженерии. Я сделал такую конструкцию, которая мне позволила вот таким образом снять. И никто не может догадаться. Даже вот Дени Лаван, там Собель, они думают, как это снял? Как Alors, камера двигается? Собель, Дени Лаван, homme de théâtre, ne comprennent pas comment j'ai tourné ce film. Parce que moi-même, je suis ingénieur. Ingénieur dans le domaine de l'audiovisuel, donc j'ai une approche très personnelle, j'ai mes secrets de fabrication pour arriver à ce résultat qui vous a été présenté aujourd'hui. Donc c'est filmé d'un seul souffle, la caméra est en continu, un seul plan, un plan unique. Plus la caméra est en 50 cm de mon visage. Если бы я играл ложь, она была бы сразу видна. То есть вот это как бы правда существования также меня интересовало. И уже в этой правде существования вот этот эффект документального кино мною был как бы преследуем. Alors, l'effet recherché est obtenu, me semble-t-il, parce que la caméra est à 50 cm de mon visage. Donc, si je trichais, ces ventures, il m'arrivait de tricher, cela se verrait tout de suite, serait visible. Donc ici, c'est sans phare, c'est en direct. Voilà, c'est une, voilà. Ну, чтобы сделать настоящее искусство. То есть всегда цель как бы художника, ну, сделать настоящее искусство, и которое было бы понятно не только как бы русским, но и французам. Ну, была статья вот во Франции, Волк Парус Седу, ну. Parce que pour bien montrer que l'art, le but de l'art, et sa finalité, c'est de ne pas tricher, de montrer la réalité. Ну, то есть. Pour qu'on se sente concerné par la même. Ну и когда искусство может быть понятно не только русским, а уже и французам, тогда искусство может быть выполнить свою самую главную роль, это объединить людей в своем понимании
в понимании мира, в опыте мира, то есть передать опыт русский, скажем, французам, англичанам, американцам, чтобы вы использовали этот опыт, ну, для своих, для своей там, ну, праведной жизни. Le but de l'art n'était pas de réunir, qu'on soit américain, sud-américain, français, russe. Donc, devant l'art, on est unis. То есть, скажем, ну, русские взяли опыт того же Маркса, который взял опыт там французской революции, то есть как бы французская революция перекочевала там в 20 веке в Россию. Donc la révolution française au 20e siècle par l'expérience de Marx est arrivée en Russie. Donc cet échange entre les pays certaines façons. Да, и просто дать как бы опыт развития, может быть, ваших идей. Вы не практиковали, скажем, там, не знаю, идеи Д'Антона, там, гильотинирование людей. А в России вот такой был Сталин, который показал, к чему это все приводит, уже в практическом как бы варианте. Alors, il y a l'expérience de la guillotine, de Danton, et puis d'un coup, ça donnait en Russie quoi, en pratique? Eh bien, Staline. Avec les massacres que l'on connaît. То есть это вот можно сказать, что ваши французские идеи, которые реализовались в жизни, что из этого, в общем-то, вышло? И, может быть, это тоже для вас было бы интересно. Это тоже для вас, я думаю, что интересно. Et ainsi, me semble-t-il, il est intéressant pour vous, Français, de voir ce qu'ont donné sur un autre sol et dans un autre contexte les idées françaises de la Grande Révolution française. Да, потому что, ну, Россия такая очень большое соединение разных людей, разных культур, разных национальностей. Parce que la Russie est un conglomérat de différentes cultures, de différentes nationalités, ethnies. Да, и очень, конечно, большая территория, что называется, ну, какой дух, так такова его территория. Нельзя сомневаться в территории. Et le territoire, l'espace joue un rôle important, on peut pas, comment dirais-je, se tromper. D'où l'importance de l'espace russe sur ces réalités. Да, и вот кто занимается Россией, в частности Рене Гера, я считаю, что это такой глобальный француз. Ну, я его хвалю, но это так. Et il faut avoir une approche globale. Toute personne qui s'intéresse à la Russie a une vue globale des choses et des réalités. Да, я думаю, что то, что Рене уже дает Франции, зная Россию, это очень уникальный опыт, как минимум. И плюс его знания России, знания русского языка феноменальны. То есть все думают, что Рене – это русский человек, то есть из Тамбова. Alors, je ne traduis pas le panégyrique à mon adresse de Mikhail Bulgakov, mais pour revenir au fond du problème, pour lui, la Russie, grâce à ses espaces, grâce à son expérience, a pu digérer en quelque sorte d'autres expériences, en particulier l'expérience de la Grande Révolution française, qui a été servi de point de départ, comme vous le savez, à ce qui s'est passé à partir de 1918. Ну, то есть, и то, что делал Сабель, скажем, игра в жмурики, он играл это как трилогию Чехов, Бабель, Волохов, и также он показывал, как бы, Франции, ну, в смысле, пытался показать беду мира через беду России, чтобы это было интересно, чтобы, как бы, французы увидели себя через, ну, в частности, мою пьесу «Игру в жмурики». Sobel, grand homme de théâtre, a voulu précisément que le public français puisse comprendre la Russie et en quelque sorte s'identifier par l'expérience de la Russie, mieux comprendre la France. Il a voulu donner une approche tout à fait moderne en 1993 dans son théâtre de scène de Gennevilliers. Car un artiste doit être en dehors de tout parti et en dehors de toute, comment dirais-je, toute idée de sectarisme. Да, то есть, несмотря на то, что Сабель коммунист, и, в общем-то, исходя из того, что из своих идей он делал, как бы ставил, вызначали пьесу, но я думаю, что он поставил такого Гамлета, который отвечает не только там, так сказать, ну, политике коммунистов или там кого-то, просто это более как бы глобальные вещи, и именно более глобальные вещи, они помогают людям как бы обрести самих себя, понять, где они живут, зачем они живут, и, в общем, мечтать о каких-то высших целях. Sobel, malgré le fait qu'il soit communiste, marxiste, a su dépasser cela et permettre au public français, lors de ses représentations dans son théâtre, de se sentir concerné, n'est-ce pas,
le héros apparaissait comme un Hamlet, Hamlet du 20, à la fin de ce 20e siècle. C'était important, le but était atteint, les spectateurs français étaient touchés et se sentaient concernés par cette pièce, par ma pièce. То есть, ну, смысл вообще, как бы есть такая фраза, Христос воистину воскрес. Воистину, именно ради истины. То есть надо пытаться найти средствами искусства эту истину. Et comme on dit en russe, en période de Pâques, nous y sommes, Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité, et c'était un petit peu mon approche, n'est-ce pas, de rendre la chose humaine, le côté humain. И истина может быть только одна, и вот это поиск именно этой одной истины, которая может быть объединит людей в каких-то позитивных поисках дальнейшего своего пути. Mon but c'était la recherche de cette vérité suprême, parce qu'en russe il y a deux mots pour la vérité, il y a le mot pravda, la pravda, et le mot истина, donc vérité existentielle, et c'était ça mon but, pour que chacun, le répète, se sente concerné et puisse se rejoindre, que tous puissions nous rejoindre sur cette vérité fondamentale. Et quand nous allons connaître l'истину, nous pouvons espérer que l'homme победit la mort. Et dans ce cas-là, quand l'homme aura la révélation de la vérité, il pourra surmonter la mort. Et quand il победit la mort, il pourra завоевать весь космос. Et quand il pourra vaincre la mort, il pourra vaincre le cosmos et s'emparer du cosmos. Peut-être que c'est quelque peu des rêves un peu utopiques. Но без утопических мыслей нет нормального пути в жизни. Mais s'il n'y a pas d'idée utopique, il n'y a pas de chemin normal vers la vie et dans la vie. Особенно для человека, который занимается искусством. Surtout pour toute personne qui s'intéresse, qui travaille dans le domaine de l'art. Voilà ce que je souhaitais dire ici à Nice. Y a-t-il des questions publiques? Oui, je vous en prie. Est-ce que le côté vert du langage est commun à tout le théâtre russe de... Ваш этот язык с матом, сленг, это ваше личное или это общее сегодняшнее для российского театрального общества? Ну, в общем-то, Россия пережила эту эпоху сталинизма, это была такая тюрьма, да? La Russie a vécu cette période du stalinisme, et post-stalinisme, c'était une prison. То есть вся Россия была в тюрьме. Toute la Russie était en prison. Вот. И, ну, в данной ситуации Чикатило – это как бы образ всего человечества. Ну, в частности, конечно, я русский, я пишу через Чикатило, через русскую персонажа. Чикатило – c'est un peu le personnage de toute la Russie, un personnage... C'est une synthèse de on себя ассоциирует там, ну как минимум со Сталином, с Лениным. Il s'associe, à la fois à Staline, à Lénine. Ну с Гитлером. À Hitler. Да, с такими преступниками. То есть это tous ces criminels. Да, это в общем-то образ всего человечества, которое. C'est un personnage, comment dirais-je, qui rassemble, qui représente un peu l'humanité. Да, и как Сталин, Гитлер, Ленин убивали миллионы людей, но Чикатило себе позволил убить 54 человека. Alors, Чикатило, lui, c'est une autre échelle, il s'est permis de tuer 54 personnes. Il n'est pas à la même échelle que Ленин, Staline ou Hitler. Да, ну и здесь как бы эффект, момент, так сказать, перед лицом таких смертей, он, ну, говорит свое слово, ну, по отношению к самому себе, это слово правды. Il dit sa vérité par rapport à lui-même, au vu de ses victimes. Но в силу того, что я, как автор, заявил этого персонажа как образ всего человечества, то я позволил себе тоже говорить, как бы, уже слова правды по отношению ко всему человечеству. Но в завязке с этим криминальным, конечно, субъектом. Alors, à partir de ce personnage qui est un criminel, je me suis permis de généraliser et d'en tirer un certain nombre de conclusions à partir de cet exemple. Moi, en tant qu'auteur, j'avais le droit de tirer des généralités. А поскольку он говорит, ну, самые такие сильные мысли высказывает, религиозные, философские, там, криминальные и так далее, и так далее. Et comme il dit des choses très fortes, sur le plan de la philosophie, de la vie, le plan criminel également. C'est un peu les dernières paroles d'un Dieu vivant.
И, ну, такого криминального бога, может быть, дьявола. Du criminel, naturellement. Ну, то, что было в жизни, то, что было в жизни. Mais c'est un fait, ça, il a vécu. Сталин, Гитлер и так далее. Et ont existé, malheureusement, Staline et d'autres. И без этих слов, ну, скажем, аргон, ну, мат, да? Et sans l'argot, sans cette langue forte, avec cette ces images. Да, для русских мат это такие мистические слова. Русские родились с этими. Pour les Russes, ce qu'on appelle le mat, cette langue verte, c'est plus qu'une langue verte, c'est partie inhérente de la vie du Russe, n'est-ce pas? Il est né avec cette langue qui exprime son tréfonds. И не сам мат позорен, а то, что обнаруживает там несостоятельность человеческую. Ce qui est pas honteux, c'est pas cette langue, mais c'est ce qu'elle dévoile dans le côté non réalisé de tout Homo Sovieticus. То есть мат, конечно, обнажает, но обнаженного стыд бережет. Donc, c'est une phrase un peu absurde. En fait, en quelque sorte, celui qui a recours à cette langue verte, à ce jargon, je répète en russe le mot mat, il se démasque par là même et il dévoile, il montre qu'il est nu. Il montre sa nudité. Да, и если есть смысл за этим обнажением, большой смысл, большая правда, то мат становится, ну, каким-то сакральным, священным. То есть мат помогает, он не мешает. Cette langue, elle aide, elle a côté sacral, elle ne gêne pas, elle aide à mieux comprendre et à permet à celui qui a recours de se dévoiler, de se dénuder, de se mettre nu. И, скажем, ну, русские тоже победили фашизм, но русский солдат гнал немца тоже матом. Et les Russes ont vaincu le fascisme, mais les soldats russes, ils employaient ce mat, cette langue, pour chasser l'intrus fasciste. Да, то есть, когда и мат в устах или в сознании русского солдата обретал уже какую-то священную, сакральную, важную, позитивную очень функцию. Il y avait pour le soldat russe, le soldat soviétique, un côté, comment dirais-je, salutaire dans l'emploi de cette langue, côté sacré, sacramental, qui lui permettait de lui donner la force de lutter. И благодаря, может быть, сильному тексту, сильной игре, когда все очень сильно и важно, то есть прежде всего в моральном смысле, в моральном значении, тогда мат помогает, мат не мешает, и люди забывают, что они там смотрят или фильм, или пьесу на мат. Pour moi, cette langue ne gêne pas, au contraire, elle aide, n'est-ce pas? Elle aide à mieux comprendre la réalité qui est présentée. То есть надо иметь право сил, ну, если произведение сильное, если si l'œuvre est forte, тогда мат помогает. Dans ce cas-là, la langue dite verte aide. Он не вульгарный становится, а уже священный. Et cette langue cesse d'être vulgaire, elle peut acquérir un côté sacré. То есть, ну, надо иметь, может быть, большое убеждение, талант. Peut-être qu'il faut être convaincu de la chose, avoir un certain talent pour pouvoir dépasser ses préjugés. Надо быть, что называется, дьявола. Ну да, смешно. Voilà, d'autres questions? On a encore 5 minutes pour les autres questions. Non, moi j'ai trouvé une chose extraordinaire, c'est dans ce film, en fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est cette capacité formidable à la fois affronter une situation physique extrêmement difficile, tout en menant un texte, menant un discours extrêmement profond, extrêmement personnel, extrêmement vivace, chargé d'une puissance, j'ai envie de dire comme si c'était une psychanalyse d'un seul coup projetée en une heure et quart. Bon. Est-ce que ma sensation renvoie à une idée que vous avez eue à l'esprit? Это как соответствовать идее, потому что именно как целебный такой психоанализ, когда он сила ну, то есть, текста. Конечно, то есть сила текста. Плюс, ну, в очень в экологически здоровом лесу. И dans cette forêt très comment dirais-je, écologique et très saine. Donc il y a un côté sain de la nature russe, de la forêt. И также и в поисках этой как бы священной истины, которая поможет всем. И на recherche de cette vérité
vérité, comment dirais-je, religieuse, sacrée. То есть бросить себя, может быть, в жертву всем своим, может быть, существованием, всем своим искусством и действительно faire le sacrifice de sa personne et de tout son art. Лечь под танк. Et c'est comme se jeter sous un tank, un char. Ну вот это. Может быть, это цель каждого художника. Je pense que c'est le but de tout créateur. Потому что мы все-таки живем в таком в христианском поле. Parce qu'on vit dans un espace chrétien. Все, что мы делаем, всегда мы имеем в виду распятие Христа. Le crucifix, le fait de se crucifier et d'être crucifié. То есть, говоря уже о Пасхе, мы верим, потому что это абсурдно. On croit parce qu'il s'agit de Pâques, on croit à la résurrection parce que c'est absurde. Это сказал Тертуллиан. Тертуллиан l'a dit. Это, может быть, единственный смысл нашей жизни. C'est peut-être le seul sens de notre vie. Верить, но... Croire. Потому что это абсурдно, поэтому мы верим. Peut-être parce que c'est absurde, et nous devons croire et nous croyons. То есть, когда пропадает абсурд, пропадает жизнь и неинтересно жить. Quand l'absurde disparaît, dans ce cas-là, la vie disparaît, ça devient intéressant de vivre. Да, ну вот здесь какая-то, может быть... Disparaît le sens de la vie. Потому что когда Камю говорит, что при абсурде человек умирает, я считаю, что при отсутствии абсурда человек умирает. Moi, je sais que l'homme meurt quand... En absence d'absurde, voilà. Le côté absurde. Parce que absurde, c'est la vie. Parce que le côté absurde, l'absurde, c'est la vie, selon moi. Oui, ce serait donc l'absurde, ce serait la contradiction. Et tu peux t'évaluer chez l'absurde. La contradiction qui. Non, в этом есть смысл жизни. Есть правая рука, есть левая, есть. Il y a le bras droit, le bras gauche, la main gauche, la main droite. C'est la vie, tu sais. Это настоящая жизнь, это вкус жизни. C'est le goût de la vie. Есть мужчина, женщина, и это соединение, да. И l'union des deux. Parce que другое это просто кладбище. Sinon c'est le cimetière. J'avais une question sur le dispositif. Comment tu as fait pour en même temps avancer, toi, et que la caméra soit exactement toujours à la même distance? Ça c'est secret de la firme. Secret de la maison. Но я же кончил этот институт. J'ai terminé cet institut. Grand institut d'ingénieur. Denis Laval, Bernard Sabat, personne peut comprendre comment je fais ça. Mais je fais. Bon, on ne saura pas alors. Oh, je peux expliquer si vous voulez, mais ça coûte. D'accord. Non, je plaisante. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Ok. On plaisante. Il suffit peut-être qu'il n'y ait personne. Bien, M. René Guérard, M. Mikhaïl Volokhov, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est un plaisir de vous recevoir, c'était un plaisir de pouvoir engager un contact de cette forme-là, un peu abracadabrant, qui correspond bien, un peu à la façon qu'on a de prendre l'existence. Non, je pense que c'est une expérience imaginable. Aujourd'hui, je baignais à la mer, c'est extra. Ah, voilà. Je baignais à Nice. Ouais. C'est moins froid dans la forêt. Non, c'est plus doux. Moi j'ai pensé que voilà, c'est comme dans la neige, j'ai tombé, voilà, j'ai goût de votre vie un peu. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.